Ce matin, j'ai entendu une chronique sur laquelle euh, bon, les journalistes peuvent pas connaître tous les domaines, mais qui disait que le dernier domaine sur lequel les femmes nécessitaient vraiment de, de marquer euh, ou d'entrer pleinement, c'était le numérique. Et ça m'a bien fait rigoler parce que parce que bon, si vous vous souvenez de la mission Apollo 11, à l'occasion de laquelle euh, bah, en fait une fusée s'est posée sur la Lune, il se trouve que le lead développeur du programme qui gérait l'alunissage du module, eh ben c'était une développeuse, c'était Margaret Hamilton. Si c'est pas une façon d'être entrée dans, dans l'univers informatique, en plus c'est elle qui a créé et popularisé le terme de software engineer, parce qu'à l'époque ça faisait rigoler tout le monde, qu'on considérait qu'on pouvait être ingénieur que côté hardware, électronique et autres. Donc le terme software engineer finalement, ça a été, a été créé et popularisé par Margaret Hamilton. Si vous avez vu l'excellent Hidden Figures en français, c'était les Figures de l'ombre. Eh bien vous vous souvenez peut-être de Catherine Johnson. Eh bien ça retracait l'histoire le biopic, donc l'histoire euh, vrai de Catherine Johnson qui était un génie en maths, souvent on utilise le mot géniateur à travers, c'est vraiment un génie en maths à tel point que John Glenn avait demandé à ce que ce soit elle qui assure euh, les calculs de, 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 la trajectoire de la trajectoire de sa fusée ou de son module lunaire, je me souviens plus, mais en tout cas euh, bon voilà, c'était pas anodin et enfin Grace Hopper qui a créé pas moins que Cobol qui a été utilisé pendant des décennies, je crois que c'est encore utilisé dans le système bancaire eh bien, vous voyez que les pionnières, euh, les pionniers, beaucoup de pionniers, étaient des pionnières. Donc voilà ce petit rappel salutaire qu'en fait, il faudrait que les femmes reconquièrent une place dans euh, l'informatique plutôt que d'y reconquérir, parce que c'était déjà fait, vu les trois pionnières, et même plus encore, puisque je me souviens que pour toute la partie hardware, euh, on voit des, des ordinateurs qui font la taille d'une maison. Bah, il y avait beaucoup de, beaucoup de femmes qui étaient en fait, mais, y compris sur le hardware, donc euh, aussi bien hard que soft, euh, dans les années 60. Bienvenue sur Code Concept, la chaîne qui booste votre progression en JavaScript front, back et full stack. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Des notes en version 1.8. On s'achemine progressivement vers la 2.0. Et ce qui m'a marqué, c'est le fait que dans cette version, la Web GPU API va permettre, lorsqu'on est dans le contexte de Deno, eh bien, de pouvoir utiliser euh, les ressources de votre carte graphique lorsqu'il s'agira de créer des applications d'intelligence artificielle. Or, si vous êtes un, un peu intéressé à la, à la question, quand on crée des modèles en IA, et je pense que ça être la même chose quand on les utilise, ce qui est utilisé, c'est la, votre carte graphique, parce qu'en fait elle a des performances bon excellentes, c'est pour ça que les joueurs euh, n'hésitent pas à, à investir, à dépenser un bras dans une bonne carte graphique. Et donc ce qui permet de pouvoir entraîner des modèles plus rapidement, bah, c'est de recourir à, à votre carte graphique. Et bien c'est possible maintenant également avec Deno Donc ça c'était quelque chose de remarquable qui fait que bah, Python qui est très utilisé dans le contexte de, de l'IA, bah, finalement maintenant va se retrouver encore plus concurrencé par JavaScript. L'internationalisation aussi est encore mieux supportée par Deno. Certains packages passent euh, sont maintenant stables. Vous aurez pu ajouter le tag et -tire tirer une stable. Voilà. Moi, bon, c'était surtout, surtout cette histoire de WebGPU qui m'avait marqué. Et également, ça tombe bien, le fait que lorsque vous voudrez utiliser des packages qui se retrouvent sur des serveurs privés, qui nécessitent que vous envoyez un token, et ça va être possible. Euh, donc, de faire un fetch de module privé et de passer. À un token. C'est les deux trois points qui m'ont le plus marqué sur cette nouvelle version. C'est toujours intéressant de voir les classements de langage, bon, même si maintenant on est de moins en moins surpris par euh, ce qui arrive en tête. Alors Dans ce classement euh, Redmonk, eh bien vous voyez que vous avez en abscisse le, la popularité sur GitHub, en gros le nombre de projets qui utilisent une certaine technologie, et en ordonnée, eh bien, vous avez le nombre, il faut que je penche la tête parce que je ne me souviens plus, le nombre de tags, le nombre de tags par technologie. Donc voilà, ça vous permet de voir euh, non seulement ce qui est populaire, bon, c'est un parti pris, hein, qu on, qu on, des auteurs euh, de Redmonk. Ça permet de classer quels sont les langages qui sont à la fois populaires et qui sont à la fois euh, très activement euh, commentés sur Stack Overflow. Alors, vous voyez, hein, vraiment, ça se, ça se bouscule en première place, à tel point que c'est même quasiment un, un, une égalité hein, entre, entre les trois. Alors, en dans le classement, bon, ils ont classé alphabétiquement. Hein. Bah, c'est JavaScript, Python et Java, mais en fait, ils sont dans un mouchoir de poche. Et comme je vous le disais dans la news précédente, bah le fait qu'en plus maintenant avec JavaScript, dans le contexte de Deno, il est possible d'utiliser euh, votre carte graphique, les ressources de votre carte graphique pour faire euh, de l'IA, bah ça va encore euh, solidifier si on peut dire, la position de JavaScript par rapport à Python. Mais bon, Python n'a rien à craindre, hein. Python est là pour durer également. Finalement, ça commence à être des langages vieux, hein, l'un comme l'autre. Hein. JavaScript, ça fait bien 25 ans, si c'est pas un peu plus. Python également, ça se compte en décennies. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on trouve bah, Les habituels, hein. PHP qui est loin d'être mort, hein, contrairement à ce que disent les haters de PHP. Puis ensuite, bon, C, Sharp, C. Est++. Alors, c'est marrant qu'ils aient mis CSS. Même si euh, plus on creuse CSS, on se rend compte que c'est sophistiqué et puissant. Bon, que ce soit classé comme langage, pourquoi pas. Voilà, bah, donc je vous laisse le lien en description. Vous pourrez regarder où vous en êtes par rapport à certains langages, ou certaines technologies. Euh, que, que vous utilisez et puisqu'il était question dans The News de JavaScript, l'importance de continuer à apprendre du Vanilla JavaScript, même si en post on vous demande toujours de connaître au moins un framework front tel que React, Angular ou Vue. J'avais vu une interview intéressante de l'auteur de QuestForms, Forms, qui est un formulaire qui vous permet de très facilement. En fait, c'est plus qu'un formulaire, c'est un form service, c'est un service qui vous permet non seulement de, de finalement d'enrichir vos formes. À l'aide de tags que vous proposez ici, d'une classe, où vous en faites un quest form. Et ensuite, vous pouvez ajouter des règles. Par exemple, qu'ici, le champ euh, input euh, name soit required, qu'il ait une, une longueur maximale de. Euh, soit required et qu'il ait une longueur maximale de 30 caractères. Vous pouvez également spécifier des actions et ensuite pointer vers un certain script qui sera géré par. Euh, le script euh, correspondant euh, qui est sur euh, le serveur, les serveurs proposés par Quest IO. Et donc le, la cible, c'était clairement bah, les agences web. Vous savez, elles sont sans arrêt en train de faire des landing pages pour pouvoir recueillir des adresses email et ensuite bon, faire du marketing. Et donc lui, il avait senti le besoin pour avoir travaillé lui-même dans une agence marketing. Et j'en viens enfin, en fait, il avait utilisé Vue.js à l'époque euh, sur ses formulaires pour les enrichir. Et il s'est rendu compte que le poids était un peu trop gros. Il l'a réécrit dans la V2 de quoi se forme toute la partie formulaire en Vanilla JavaScript et là il, bah, il, il s'est retrouvé avec un package extrêmement plus, plus petit donc de bien meilleure performance, qui prouve de nouveau que effectivement quand on fait une single page application complexe il faudrait être un peu maso de nos jours pour tout faire en Vanilla JavaScript mais quand vous avez quelque chose de très ciblé bien, recourir au Vanilla JavaScript comme l'a fait l'auteur ça lui a permis d'améliorer considérablement les performances de son application, se passer totalement des frameworks on sait très bien que c'est pas possible mais dans certains contextes c'est tout à fait logique de se passer des... D'un framework, quand finalement on n'a pas besoin de tout ce, que, ce qui fait qu'on utilise d'ordinaire un framework, à savoir bah, tout ce qui est routage, tout ce qui est création de components, ce genre de choses, Et parfois le plus efficace, le plus performant, c'est le vanilla JavaScript, ce que, ce que prouve encore ce projet Quest Forms. Dans le genre idée géniale sur lequel je suis tombé cette semaine, c'est tout bête comme idée, c'est le fait que vous pouvez voir ce qui se passe dans un autre, à la fenêtre de quelqu'un d'autre dans n'importe quel pays du monde. Le principe étant que bah, vous positionnez votre webcam et vous filmez ce que vous voyez de votre fenêtre et ensuite bah, en cliquant sur alors ça s'appelle swap sur ce bouton, eh bien vous ouvrez une fenêtre. Bon, j'adore ça, j'adore les cartes. Hein, vous voyez, c'est pas pour rien que j'ai une carte à côté. Mais ce que j'adore faire, c'est de deviner où se trouve la webcam de la personne qui euh, vous propose euh, eh bien de filmer ce qu'il voit de sa fenêtre. Ça peut devenir assez addictif comme jeu. Et bon malheureusement, j'avais vu du coin de l'œil, en fait, j'aurais peut-être pas dû mettre euh, ma souris sur le curseur. Enfin j'essaye de pas, il faudrait pouvoir masquer euh, cette partie-là pour créer une petite extension qui masquerait. Bon, attends, on sait que c'est Vancouver. Alors c'est du différé, hein, donc vous ne voyez pas en direct ce qui se passe. C'est pour ça qu'il fait jour à Vancouver, alors que je pense que vu l'heure à laquelle j'enregistre, il doit faire nuit encore à Vancouver. Mais bon, c'est du différé. Et si vous voulez ouvrir une autre fenêtre ailleurs, ben vous cliquez sur le bouton. Et voilà, vous voyez un autre endroit, des gars qui travaillent dur sur un chantier. Et ben voilà, on est à Austin, au Texas, etc. Bon, vous voyez, quand on se dit que bah, les idées d'application... C'est euh... ah, pareil, j'ai craqué, j'ai regardé en droite, il faut vraiment que je, je masque la chose, je sais que c'est Moscou. Voilà, une idée originale euh, d'un réseau social qui vous permet d'avoir bah, littéralement une fenêtre ouverte sur le monde, <laughs> simplement en cliquant sur un bouton petite dernière, c'est le Brésil. Alors le pipe, si vous connaissez RxJS, c'est quelque chose que, qui vous est familier, vous savez que dans RxJS, on peut passer à la fonction pipe euh, d'autres opérateurs, qui, bah, qui sont même des fonctions, simplement pour, pour pouvoir composer des fonctions. Et donc, dans cet article, l'auteur vous détaille comment est-ce que, d'où est venue cette idée du pipe, pourquoi en fait. Alors, le principe ici est tout simple, c'est que vous passez à pipe, en premier argument, la valeur que vous avez ensuite envie de passer à la fonction A, puis à la fonction B. S'il y avait une fonction C, vous la passeriez ensuite à la fonction C. Donc, c'est quand même plus lisible de cette façon-là que de voir, allez, forcément, voilà, que de voir ça. Là, Il faut faire un peu plus d'efforts pour se dire bon, on comprend ce qui se passe parce qu'il n'y a que deux fonctions, mais on voit bien que ici on passe à la fonction a x et que le, le résultat de l'appel de a on lui passe en x, et eh bien ce résultat est passé à la fonction b. Donc imaginez s'il y avait une fonction c, on aura encore une, une paire de parenthèses par-dessus, ce qui rend la chose plus difficilement lisible. Et donc la logique, euh, c'est incroyable, c'est l'idée est, c est, c est euh, vraiment astucieuse, c'est d'utiliser la fonction reduce. Et vous savez, d'ordinaire, vous lui passez. À Reduce, vous passez une fonction qui est exécutée et vous mettez une valeur de départ. Bon, ici, c'est x, notre valeur au départ qu'on a envie de passer à a. Mais en fait, ce qu'a ce qu fait l'auteur, c'est qu'il utilise la fonction Reduce pour appeler tour à tour un tableau qui contient des fonctions. Et vous vous souvenez qu'avec Reduce, le principe, c'est que vous avez un accumulateur qui, qui, qui contient un état courant. Et à chaque itération, bah, elle, finalement, c'est la nouvelle fonction sur laquelle vous itérez. Et donc, voilà, il vous explique différents cas de figure où finalement, utiliser. Un pipe, ça rend la chose beaucoup plus lisible et ça vous dispense notamment par exemple de devoir créer une fonction. Vous avez ici, si vous avez un cas de figure où vous avez un number vous voulez vous assurer que non seulement il est plus grand que 1, mais plus petit également, plus grand que 0, pardon, et moins grand que 1. Bon, pour éviter d'avoir à faire un parse float du number une fois pour vérifier qu'il est plus grand que 0 et de refaire un parse float pour vous assurer ensuite qu'il est plus petit que 1, on a tendance à recourir à une petite constante à l'extérieur du if, mais sauf que bon, on se retrouve à, à polluer notre scope global avec ce, cette num, alors finalement on en a besoin que dans le contexte de ce if. Voilà, il vous montrait un cas de figure. Bon, on a tendance à, on sait, historiquement en JavaScript à recourir à une Immediately Function Expression, à une, une IFI, pour ne pas polluer la variable, la, la portée globale, la scope globale, et bien là, voilà, avec son pipe. Ils la chose beaucoup plus simple, par en passant la string qui se retrouve par C, et ensuite quand on a le résultat bah, qui se retrouve on est passé d'une string à un number, eh bien on peut ensuite en servir dans cette fonction qui sera chargée à partir de ce number de faire les tests qui nous intéressaient, donc de vérifier que c'est plus grand que 0, plus petit que 1. Voilà, donc quelques... ça, on est vraiment dans le... les astuces de programmation fonctionnelle. Si la programmation fonctionnelle vous intéresse, ce qui devrait quand même logiquement un peu, parce qu'avec JavaScript on est dans le monde de la programmation fonctionnelle, A eh bien on de cet article assez rapide, hein, il, se lit, il se lit bien, et ça vous permettra d'avance d'évoluer un peu dans le monde de la programmation fonctionnelle. Voilà le genre de petit outil sorti Dark Mode, très pratique. Vous savez que bien souvent, les auteurs de package de librairie euh, vous le diront votre package ou votre libre, elle peut être excellente, mais si vous n'accompagnez pas l'utilisateur potentiel, vous ne le prenez pas un peu par la main pour lui montrer les avantages et lui expliquer comment votre libre ou votre paquette fonctionne, bah vous perdez beaucoup de monde en route. Donc euh, avec Shepherd, bah Shepherd c'est le berger, vous pouvez guider les gens, alors je vais le rafraîchir. Et voilà, vous voyez, donc en ce moment pointant, vous avez ici, c'est le titre, là, donc vous pouvez faire un next, ensuite ça vous montre, ça, ça se fait de plus en plus dans de plus en plus de librairies et ensuite vous pouvez montrer euh, une autre partie de la page qui lui explique en fait il s'est servi de son outil pour expliquer son outil <laughs> on se retrouve un peu dans dans une récursion hein, sympathique je cherche le nom du film il me revient plus avec euh, Leonardo DiCaprio il se retrouver dans un rêve il réveille dans un rêve etc bon j'ai oublié et donc voilà vous pouvez ensuite euh, eh bien proposer les différentes aides et illustrer différentes parties eh bien d'une page pour expliquer euh, Comment euh, Votre produit, votre libre, votre package fonctionne. Donc ça s'appelle Shepherd.js et vous pouvez l'utiliser également si euh, vous voulez simplement faire comprendre un site euh, à des utilisateurs qui ne sont pas, et il fait des petits clins d'œil, à des utilisateurs qui ne sont pas euh, développeurs. En ces temps d'intégration continue et de delivery de, de continue, on a tendance à, à pousser de plus en plus souvent des mises en prod qui évitent finalement d'accumuler des évolutions, puis parfois même des. On attend trop, on se retrouve avec des régressions qu'on n'avait pas vues, ce qui fait que des mises en production on se retrouvent beaucoup plus stressantes. et eh bien, cette même logique, c'est certainement cette logique qui a poussé l'équipe de Chrome à réduire de 6 semaines à 4 semaines la mise en production de nouvelles versions de Chrome. Et ce sera la même chose pour v8. Donc voilà, ça va commencer au troisième trimestre de 2021. Et pour éviter que de courir après les nouvelles versions, eh bien, les avant-dernières versions hein, seront maintenues 8 semaines. Donc, ce sera le meilleur des deux mondes. Les nouveautés seront poussées plus vite et les avant-dernières versions seront maintenues plus longtemps. Ça, plus anecdotique, mais bon, comme on sait que les promesses hein, ont gagné en popularité par rapport au, au callbacks, hein, on se souvient simplement pour éviter ce phénomène de, comment est-ce qu'on l'appelle, Pyramid of Doom, vous savez quand vous avez des callbacks, dans les callbacks, dans les callbacks, votre code est de plus en plus repoussé sur la droite, ça fait une forme de, de pyramide qui se retrouve à, à 90 degrés. Et donc, allez, eh ici vous avez un, un utilisateur qui a fait des tests, et qui s'est rendu compte que quand on promesifie read readfile, donc pour, que pour utiliser ReadFile avec un Zen, on le fait dans un Zen plutôt que en lui passant un callback, eh bien on avait des pertes de performance jusqu'à 40%. Donc voilà, si vous voulez voir comment l'utilisateur s'y est pris pour comparer la chose. Bon, il s'est servi du package promesify, hein, qui vous permet de promesifier. Alors qu'est-ce qu'il a voulu promesifier? Il a pris le package FileSystem et donc, plus précisément la méthode readfile pour la rendre utilisable avec des promesses plutôt qu'avec un callback. Et il a comparé. La chose il a fait des tests et pour il s'est rendu compte finalement qu'on perdait 40% de performance qui est énorme c'est dommage pour euh, de gagner en confort en utilisant des promesses mais d'avoir un tel impact sur les performances alors on sait qu'il faut généralement pas euh, optimiser trop tôt il faut d'abord faire marcher les choses puis les optimiser mais là on est quand même sur du 40% plus lent donc voilà si vous voulez suivre un peu euh, comment l'auteur a ouvert cette nouvelle issue comment il s'y est pris comment il a testé eh bien vous pouvez jeter un oeil puis la discussion qui s'en est suivie hein. <laughs> Notamment un utilisateur qui s'est. <laughs> J'ai rarement vu autant de pouces négatifs. Il s'est dit Ah, mais de toute façon, personne n'a dit que les performances, ça comptait. Je sais pas si c'était un troll. Mais bon, il n'a pas, bien... pas été très bien reçu. C'est resté courtois. Mais... Alors, les jobs schedulers, c'est incontournable dans de nombreuses applications et pour des choses même aussi bêtes que quand vous avez un utilisateur qui s'inscrit à votre newsletter, vous, bon, vous recevez cette... son adresse email dans une base de données et vous pourriez très bien. Bah, là, c'est un cas de figure très classique avoir un job qui tournerait et qui vérifierait et eh bien qui enverrait un mail de bienvenue par exemple à tous les utilisateurs dont le flag euh, a reçu un email de bienvenue euh, et à ta c'est à ce moment-là vous vous envoyez euh, l'email en question. Mais il y a tellement d'autres euh, cas de figure où vous pouvez avoir besoin de jobs qui s'exécutent régulièrement pour faire du nettoyage par exemple quand vous n'avez pas envie de voir votre euh, vos, les, une table par exemple euh, polluée par des données qui sont plus d'actualité ben, un bon petit un bon petit job qui est schedulé, qui est, oh, le terme français m'échappe, qui est programmé, configuré pour s'exécuter régulièrement, bah, ça vous permet de faire du ménage un ménage assez régulier. Et donc vous avez cette librairie qui s'appelle Agenda et voilà la doc est très très bien faite, un nouveau on en revient à ce qu'on disait précédemment, c'est que pour faire adopter un nouveau package, une nouvelle lib rien de tel qu'une doc bien faite, ça commence par un, un comparatif avec des concurrents euh, on voit tout de suite d'ailleurs que ce package Agenda, il, il utilise MongoDB, donc ça vous permettra de de pouvoir mettre vos différents jobs et, et les différents délais auxquels vous voulez finalement exécuter vos jobs, bien, tout ça sera stocké dans MongoDB, plutôt que dans Redis pour ses concurrents. C'est vrai que Redis, c'est plutôt utilisé d'ordinaire pour quand on... un contexte de cache, quand on va avoir un cache provisoire pour améliorer les performances, alors qu'on utilise plutôt des bases de données pour des choses qu'on a envie de persister sur la durée. Et on peut voir que la chose est très très bien documentée. J'adore ce genre de documentation finalement, où ça vous montre un exemple de code. Et en commentaire, bah, ça vous explique les différentes options possibles. Alors, pour ceux qui aiment euh, bah, les, la présentation la syntaxe propre au cron job, vous pouvez utiliser euh, cette syntaxe. Hein, qui, alors, faut toujours, moi, je me gratte toujours un peu la tête parce que je ne l'utilise pas au quotidien. Bon, qui vous montre que vous pouvez utiliser, vous exécuterez plutôt un certain script toutes les 3 minutes. Ou bien, voilà, bah, la syntaxe, quand même, plus humainement euh, lisible. Hein, vous pouvez passer une string. Sont une syntaxe assez cohérente, hein. 3 minutes, bah, ça veut dire que tout, tout, vous, vous exécuterez une certaine tâche toutes les 3 minutes. Euh, 3 heures serait pour tout les, toutes les 3 heures, 3, 3 days serait pour les jours, etc. La chose est assez simple. Et là, vous pouvez voir finalement qu'avec Agenda, qu'est-ce que vous faites vous, euh, alors vous commencez par importer, pour plutôt par déclarer une connection string. Bon, là, on voit bien qu'il se connecte sur un MongoDB qui est en local, vers la base de données Agenda. Ensuite, il crée une nouvelle instance d'Agenda. Et de là, il définit une tâche qu'il a envie d'exécuter. Voilà, la tâche en question, là, on voit que tu lui as donné un nom clair, c'est de supprimer les vieux utilisateurs, les anciens utilisateurs. Et ensuite, en deuxième argument, qu'est-ce qu'il met bah, La fonction qui s'exécutera, qui sera exécutée toutes les X minutes ou heures ou jours et qui prendra simplement bah, ce job. Et qu'est-ce qu'elle fait bah, Elle prend la table user, elle décide de faire un remove pour tous les utilisateurs dont, c'est une syntaxe qui ressemble tout à fait à ce qu'on fait dans MongoDB, ce dont login est... Inférieur à, donc lower than, two days ago. Ah, c'est marrant, j'aurais plutôt eu tendance à mettre greater than, mais bon. Voilà. Et donc, euh, voilà, la chose est très bien illustrée. Donc, si vous avez besoin de pouvoir euh, programmer des tâches euh, qui doivent s'exécuter régulièrement, vous avez besoin de quelque chose qui est très bien documenté, et eh bien, vous pouvez essayer Agenda, qui n'a euh, qu pas l'air d'être tout récent non plus, hein, mais bon, il se trouve qu'il a dû sortir une nouvelle version pour que ça remonte comme ça dans les newsletters. Là, on voit qu'il y a des choses qui sont passées il y a quelques heures, il y a quelques jours. Ah, pour les plus anciens qui ont connu euh, l'époque euh, pré-Restful euh, APIs, vous vous souvenez qu'il ah, y a une quinzaine d'années de ça, hein, le, la, le standard c'était plutôt SOAP. Donc on utilisait SOAP et avec euh, des fichiers de configuration euh, WSDL, si je me souviens bien. Et, et donc vous direz, bon, quel est l'intérêt d'en parler en 2021, tout simplement, parce que peut-être que vous êtes dans une entreprise euh, d'une certaine taille qui a encore des services qui tournent euh, avec euh, SOAP. Et que vous auriez envie de pouvoir faire des requêtes SOAP en toute simplicité. Bah, c'est ce que propose, comme son nom l'indique bien, Easy EasySOAP Request. Et pour ça, il vous suffira d'installer EasySOAP Request, de le récupérer à l'aide d'un require. Et de là, bah, par exemple, il vous montre euh, un exemple. Alors, ça a l'air d'être euh, un service météo qui euh, historique, hein, est historique, c'est pour dire, puisqu'il vous récupère des données euh, en SOAP. On voit que c'est un serveur PHP. Il indique les headers qu'il a envie d'envoyer avec sa request. Et là, bah, il fait un bon petit read file sync. Donc, sync, hein, c'est parce qu'ils veulent veut le faire de manière synchrone. Et là, la partie request en elle-même arrive. Et donc, on fait. Alors, il a, mis, il a utilisé une, une immediately invoked function expression in parce qu'il il voulait utiliser async await. Donc, pour ça, il fallait qu'il utilise une fonction. Alors, les choses vont changer dans pas longtemps. On pourra, euh, dans les prochaines versions de Node, hein, je pense que la version actuelle, c'est peut-être déjà possible, utiliser un await sans avoir dans le cadre d'une fonction préfixée de async. Et donc voilà, je m'égare. Euh, on fait donc un sub-request, la request vers une certaine URL hein, de, de cette API de météo, en indiquant, les, en passant des headers, en passant, hein, vu le nom c'est l'enveloppe XML, et un timeout. Et voilà, ensuite de là, eh bien, vous obtenez le, un objet duquel est extrait la réponse, et de la réponse est du même extrait le headers body et status code. Et la chose fonctionne également avec Deno. Bon, vous avez vu qu'avec Deno, euh, la chose euh, diffère en ce sens que. Au lieu de faire un MPM install, on point vers du qui nous propose ce module, hein, ce package plutôt request. Et ensuite, le fonctionnement est quasiment le même. La différence étant que pour faire un read file, on utilise un readfile qui est proposé par l'objet DENO hein, qui est à ma disposition, les fonctions qui sont plus couramment utilisées. Voilà, donc si vous vous retrouvez, on peut l'utiliser également dans le navigateur. Donc si vous êtes dans un contexte d'une entreprise de grande taille qui a encore des services SOAP et que vous devez les consommer, ben ce package devrait vous intéresser ou si vous utilisez des services historiques également qui sont accessibles en ligne. Bien. Et vous pensez à regarder des vidéos qui vous permettent d'aller voir ce qui se passe un peu dans d'autres techno front ou back qui vous intéressent, notamment front Angular en 90 minutes, en une heure et demie. Donc si vous voulez vous initier Angular, même chose pour les React Hooks, une petite playlist un peu plus brève, mais bon parce qu'il est consacré qu'aux React Hooks. Si vous voulez découvrir Vue 3, c'est possible également. Un petit pouce si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait pour être mis au courant des prochaines vidéos. Et à bientôt.